Théorème de l'énergie cinétique. C'est l'objet de notre cours dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le constater, je suis Bailly Josué, ton coach en physique chimie. Alors, sache que cette leçon a deux objectifs. Alors, le premier objectif, c'est de t'amener à comprendre la notion de l'énergie cinétique et enfin, pouvoir énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Alors, pour cela, nous avons dans notre plan trois grands points, à savoir la définition de l'énergie cinétique. Ensuite, nous avons l'énoncé, ça va, du théorème de l'énergie cinétique. Et enfin, nous verrons la règle d'application du théorème de l'énergie cinétique. Alors, passons maintenant à notre premier point. Alors, comprends par là que l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps du fait de sa vitesse. Alors, comprends par là que si un corps est immobile, c'est-à-dire il n'est pas en mouvement, il ne peut être soumis à une énergie cinétique. Ça va? Alors, l'expression de l'énergie cinétique est EC égale à 1 demi de MV au carré. Alors, EC s'exprime en joules. Bien évidemment, c'est une énergie. M, qui est la masse du corps, s'exprime en kilogrammes. Et la vitesse au carré qui s'exprime en mètre par seconde. Ça va? Alors, passons maintenant à notre deuxième point qui est l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Alors, il faut comprendre que le théorème de l'énergie cinétique, c'est une expression qui permet d'établir la relation entre la variation de l'énergie cinétique et les forces extérieures possibles qui peuvent agir sur le corps en mouvement. Ainsi, nous avons comme énoncé, dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un système matériel entre deux instants T1 et T2 est égal à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées au système entre ces deux dates. Ça va? Ainsi, comme expression, nous avons delta EC entre T1 et T2 qui est égal à EC de T2 moins EC de T1 qui est égal à sigma qui veut dire somme des travaux des forces extérieures. Ça va? Ça commence à aller? Ok. En remarque, alors cela s'affiche maintenant sur ton écran. Le théorème de l'énergie cinétique reste valable même si la force n'est pas constante au cours du déplacement. Et deuxième et dernière remarque, il faut savoir que le théorème de l'énergie cinétique est général. Ça veut dire que ce théorème-là est applicable à tout type de mouvement. Ça va? Alors maintenant, passons à notre dernier point qui est la règle d'application du théorème de l'énergie cinétique. Alors, les différents points maintenant affichés sur ton écran, comment tu peux le constater? Premièrement, pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il faut préciser le système étudié, choisir un référentiel d'étude, faire le bilan des forces extérieures appliquées au système,
exprimer les énergies cinétiques, exprimer les travaux des forces extérieures et enfin appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Voilà, ainsi prend fin notre vidéo. Je donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, reste dans le buzz de succès assuré car tu auras le succès en suivant succès assuré. Succès assuré.